الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 23e nuit du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 19 décembre 2019, pour notre cours hebdomadaire de l'étude du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses attributs physiques. Regroupé par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans un livre qu'il a intitulé Al-Shama'il. Nous sommes toujours dans le chapitre qui a pour titre Maja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, donc le chapitre relatif aux informations rapportées, évoquées concernant les chaussures, ce qui servait à chausser le prophète alayhi salatu wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois, il y a deux semaines de cela maintenant, au hadith numéro 84. Et nous reprenons aujourd'hui avec le hadith suivant, le hadith numéro 85. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك حاء أنبأنا إسحاق وحدثنا حسب الكتاب وأنبأنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وَآخِرَهُمَا تُنْزَعَ. Donc ce hadith-là a une particularité, c'est qu'il contient en son sein la lettre « ha » au milieu. Je ne sais plus si j'avais vu cette particularité justement avec vous dans un hadith précédent ou non. J'ai un vague souvenir. Mais « ala kulli hal », le « ha » ici, il indique ce qu'on appelle la tahwil, comme quoi on passe d'une chaîne de transmission à une autre. C'est-à-dire que l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il a rapporté ce hadith de Qutaybah, qui lui l'a rapporté de l'imam Malik. Et il a aussi rapporté de Ishaq ibn Musa, qui lui l'a rapporté de Ma'an, qui lui l'a rapporté de Malik. Donc il a deux chaînes de transmission jusqu'à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et quand c'est comme ça, dans une chaîne de transmission, on a un point où la chaîne va se diviser, on appelle ça al-makhraj. Makhraj al-sanad. C'est de ce point-là que la chaîne de transmission va se multiplier. C'est-à-dire qu'à la base, il y a l'imam Malik qui rapporte d'après Abu Zinad, d'après l'A'raj, d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Puis, à partir de l'imam Malik, alors l'imam Malik le rapporte à Ma'an et le rapporte aussi à Qutayba. Donc l'imam Malik ici c'est Makhraj al-Sanad, c'est de lui que la chaîne de transmission va se diviser en plusieurs parties. Bien entendu le hadith ici, il y a deux chaînes qui se retrouvent à l'imam Malik, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules chaînes. On pourra trouver pour ce hadith là d'autres chaînes de transmission rapportées par autre que l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, parce qu'il est très difficile de croire que l'imam Malik n'a rapporté ce hadith qu'à deux hommes. طيب. Donc Abu Huraira radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'ai changé, j'ai dit anna rasulallah et vous avez à l'écran anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que lorsque je lirai donc oralement autre chose que ce que vous avez écrit à l'écran, c'est parce que je vous ai dit que ce qui compte c'est la version que je lis, c'est-à-dire dans mon livre que moi sur laquelle j'ai obtenu mon ijaza, que j'ai lu à mon shir. Donc c'est celle-là qui compte. Et si vous avez des différences avec ce qui apparaît à l'écran, c'est normal et ce ne sera pas de grande différence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينَ » Donc l'intial, c'est le fait de se chausser. Le fait de se chausser. Donc lorsque l'un d'entre nous se chausse, qu'il commence par la droite. Donc il commence par le pied droit. Pourquoi ? Parce que « التَّنَعُلْ » Donc le fait de se chausser est une façon d'honorer notre pied en le protégeant des nuisances extérieures. Et tout ce qui concerne at-takrim, donc le fait d'honorer,
Alors, on commencera dedans par la droite, comme Aïcha radiallahu anha nous l'a dit, et d'ailleurs, on le verra dans le hadith suivant, inshallah ta'ala. Donc, lorsqu'on se chausse, on commence en se chaussant par le pied droit. Et lorsqu'on se déchausse, donc lorsqu'on retire son pied de la chaussure, faliyabda bishimal. Donc là, c'est l'inverse. Comme on va retirer ce qui sert à protéger ou à embellir le pied, alors à ce moment-là, ce sera l'inverse de takrim, de l'honneur. Alors à ce moment-là, on commencera par le pied gauche. Donc on commence, lorsqu'on se chausse par le pied droit, et lorsqu'on se déchausse, on commence par le pied gauche. Thumma qala faltakun al-yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Donc le pied droit, al-yumna ici c'est le féminin, la droite. Parce que dans le corps humain, tout ce qui vient par paire sera au féminin. Donc on dit le qadam al-yumna, on dit pas al-yamin. Et pourquoi il a dit au départ fal yabda bil yamin? Puis il a dit après, faltakuni al-yumna. Donc il a dit faliyabda bil-yamin, il commence par la droite. Donc ici, il parlait de la direction. Il ne parlait pas du membre, du pied. Et dans la fin, il dit faltakuni al-yumna, il parle du pied. C'est pour ça qu'il l'a dit, qu'il l'a accordé au féminin. Donc que le pied droit soit le premier à chausser et le dernier à déchausser. On passe au hadith suivant, le hadith 86. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. Dans ce hadith là, nous avons juste une petite latifa, une petite anecdote sympathique dans la chaîne de transmission qu'on appelle en arabe al-jinas. C'est lorsqu'on a des mots qui se suivent et qui se ressemblent verbalement. C'est le troisième nom, le quatrième, Ash'ath ibn Abi Sha'tha. Ash'ath, ça veut dire l'ébouriffé. Donc c'est le nom que son père lui a donné. Et son père, on le surnommait Abu Sha'tha. Et Abu Sha'tha, c'est le père de l'ébouriffé pour la fille. Donc l'ébouriffé pour le garçon, on l'appelle Ash'ath. Et l'ébouriffé pour la fille, on l'appelle Sha'tha. Et c'est marrant des fois de voir que les Arabes avaient des kunyas, des kunans bien spécifiques qui caractérisaient soit la personne en question qui portait le surnom, ou bien ses enfants, ou bien ceux qui sont dans son entourage. C'est comme on a juste après, on a un Abihi, un Masrouq. Et Masrouq, c'était un surnom aussi, bien entendu. On l'a appelé ainsi parce qu'il s'est fait voler alors qu'il était petit. Puis il a été retrouvé, grâce à Allah Azza wa Jal. Et depuis, on l'a surnommé Masrouq, qui veut dire le volé. Et pas, bien entendu, pas le voleur. Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu tayammuna » Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait « at-tayammun ». « At-tayammun », c'est le fait de commencer par la droite. Donc vous le retrouvez dans le nom « tayammun yamin ». C'est le fait de commencer par la droite. Le prophète aimait commencer par la droite « mastata'a » tant qu'il le pouvait. Tant qu'il le pouvait. Ce qui indique que lorsqu'il ne le pouvait pas, alors il faisait avec la gauche. Donc soit il commençait avec la gauche dans ce qui n'honorait pas le membre, ou donc comme le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins, ou bien le fait de se déchausser ou de se déshabiller, ainsi de suite, ou bien dans le cas où il ne pouvait pas parce qu'il pour une raison ou une autre physique, alors il le faisait par la gauche. Comme par exemple, on nous a interdit de prendre et de donner par la main gauche. Mais si la main droite elle est occupée et qu'on ne peut pas se libérer, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de mal si on prend ou on donne avec la main gauche. Donc mastata'a, ça indique bien l'incapacité. Mais là, il est important de préciser que cette incapacité, c'est l'ilhaja, pas l'iddaroura.
Parce qu'on a deux types de choses. On a ce qui va lever le jugement de ce qui est détestable, c'est le haja, le besoin. Et on a ce qui va lever le jugement de ce qui est interdit, c'est ad-daroura, la nécessité. Ad-daroura, c'est la chose, si jamais je la fais, il va m'arriver un mal. Donc, pour s'épargner du mal possible, alors je pourrais faire ce qui m'a été interdit. Est-ce que ça indique bien que mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam at-tayammuna ala sabili al-istihbab ila al-wujub. Ça indique bien que les jugements qu'on donnera au fait que le prophète aimait sallallahu alayhi wa sallam commencer par la droite tant qu'il le pouvait, ça indique le caractère recommandé et pas le caractère obligatoire. Parce que si c'était obligatoire, c'est pas seulement par le besoin qu'on aurait pu lever l'obligation. Donc, elle a donné trois exemples dans lesquels le prophète aimait commencer par la droite. Il a dit, fi tarajjulihi. On a vu tarajjul, donc dans un chapitre précédent, c'est le fait de se peigner. Wa tana'ulihi, donc le fait de se chausser. Wa tuhurihi, et dans le fait de se laver. Dans le fait de se laver, notamment faire ses ablutions, comme vous le savez, dans les ablutions, on a des choses qui sont par paire, comme les mains, les pieds, et on a des choses qui sont un seul bloc, comme le visage ou la tête. Donc, ce qui peut se diviser en deux parties, alors il y aura une droite et il y aura une gauche, et il sera préférable de commencer par la droite. Ce qui ne peut pas se diviser en deux parties, comme le visage ou comme la tête, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de droite ni de gauche. Parmi les choses qui sont détestables aussi dans la façon de se chausser ou de se déchausser, ce qui a été rapporté comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce qu'on se chausse debout. Mais là, il est important de préciser deux choses. L'interdiction ici engendrera le jugement de ce qui est détestable et pas de ce qui est illicite. Donc si jamais on le fait, on n'a pas de péché. Et la seconde, c'est que ça concerne le cas où on a besoin, on ne peut pas se chausser debout sans craindre un mal. Comme dans le cas où la chaussure elle est serrée, dans le cas où on a peur de perdre l'équilibre, de tomber et de se faire mal. Et il a akhiri. Alhamdulillah. Dans le cas où la chaussure est facile à enfiler, et dans le cas où on ne craint pas un mal en se chaussant debout, alors à ce moment-là, l'interdiction ne nous concernera pas. On passe au dernier chapitre, au dernier hadith du chapitre. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. De ce hadith-là, il faut savoir qu'il est très faible. Pourquoi? Parce qu'il contient, dans sa chaîne de transmission, Abdurrahman ibn Qays ibn Abu Muawiya, qui a été considéré comme étant un menteur par plus d'un savant du hadith. Taïb. Et At-Tirmidhi le sait bien, radiyallahu ta'ala. Et s'il cite ce hadith-là, c'est que son contenu, malgré la présence de la faiblesse d'un des rapporteurs, a été confirmé d'une façon ou d'une autre par d'autres textes. Donc ici, c'est une parole d'Abu Huraira radiallahu anhu, et quand c'est une parole d'un compagnon, on appelle le hadith, hadith mawquf. Quand celui qui parle est un compagnon, on appelle ça un hadith mawquf. Il nous dit que, donc, les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celles d'Abu Bakr et de Omar, étaient composées de deux lacets, qibalan. Donc il y avait deux fils qui servaient donc à attacher le pied dans la chaussure. Et ici, est-ce qu'on va comprendre que c'est une sunna d'avoir deux lacets dans sa chaussure? La réponse est non, parce que c'était propre aux us et aux coutumes des Arabes de l'époque. Et ça veut dire que le prophète a fait comme les gens autour de lui, de son vivant, alayhi salatu wassalam. Et ça nous montre deux choses. Premièrement,
que ce qui rentre dans la ada, dans les habitudes tribales, ne peut pas être considéré comme une tradition prophétique. Et la seconde, c'est qu'il ne faut pas se distinguer des gens en mettant une chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et qui va attirer le regard. Sinon, ça rentrera dans l'ibas ush-shuhra, qui est un acte interdit. Pardon. Puis il a dit, wa awwalu man aqada aqdan wahidan Uthman. Et le premier qui a noué un seul lacet, c'est Uthman radiallahu anhu. Et là, il y a plusieurs raisons à cela. Pour que les gens sachent que le fait d'avoir un seul lacet est permis et qu'il n'y a aucun mal dedans, et que ce n'est pas détestable ni une chose qu'on aurait pu éviter. Et même dans le cas où on dirait que avoir deux lacets c'est sunnah, eh bien, on pourra déduire de l'action de Uthman radiallahu anhu que dans certains cas, si on craint un mal quelconque dans l'application d'une sunna, alors il sera préférable de délaisser cette sunna pour éviter le mal en question. Pour éviter le mal en question. Donc voici pour la fin du chapitre relatif aux bienséances prophétiques dans les chaussures et dans le fait de se chausser. Et tout ce qui s'y attribue. On passe au 12e chapitre qui a pour titre Maja'a fi dhikri khatami Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce chapitre-là, ce titre-là nous rappelle un chapitre qu'on a vu précédemment qui était fi khatami an-nubuwa. Donc el khatam qui était le sceau de la prophétie, et là c'est le khatam qui est la bague. Et c'est pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a quelque peu changé le titre pour éviter justement toute confusion de la part du lecteur, pour ne pas qu'il croie en lisant le titre qu'on a répété une seconde fois le même chapitre. Donc il a dit ici, il a dit zikr, pour préciser ici qu'on parle d'autre chose que du sceau de la prophétie. Et il a dit Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam pour faire la distinction entre ce chapitre-là et le précédent. Donc vous avez compris, ici on va parler de la bague du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait l'auteur il part sur une logique dans la succession des chapitres. Donc après nous avoir parlé des vêtements du prophète et de ses chaussures, donc ce sont les choses qui servent à couvrir certaines parties de son corps, il va dans la même logique en nous parlant de ce qui va couvrir ses doigts alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et la bague, pardon, donc vous le savez, c'est un anneau que l'on fait enfiler au doigt. Et on l'appelle khatam, qui vient du verbe khatama, qui veut dire scellé. Qui veut dire scellé. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé la bague ainsi? Parce qu'elle servait justement à sceller les missives, les lettres qu'on s'envoyait les uns les autres. Et on va le voir durant ce chapitre, inshallah ta'ala. Si jamais la bague n'a pas de khatm, comme on va voir par la suite, ça s'appelle un fas avec un sad. On l'appelle fatra, une fatra. Quand c'est seulement un anneau dans lequel il n'y a pas de chaton, on verra après c'est quoi, on l'appellera fatratun, pas fatha mais avec un kha, fatra. Et le fait de prendre une bague est une sunna chez l'ensemble des ulama, comme on le verra par la suite, inshallah ta'ala. Et l'objectif de l'auteur dans ce chapitre-là est de nous montrer comment que le prophète avait une bague, on voit même plusieurs, on va le voir, et qu'est-ce qui était écrit, qu'est-ce qui était gravé dessus. Dans ce chapitre-là, il y a 8 hadiths. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. Premier hadith rapporté par Anas ibn Malik رضي الله عنه. Et ce hadith-là, il est musalsal, plutôt il est marwi, bikibari a'immati al-hadith. Cette chaîne de transmission est composée d'imams qui font partie des plus grands imams du hadith. Ala kulli hal, Anas radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague faite d'argent. Min wariq. Al wariq bima'ana al-fidda. C'est l'argent, mais c'est un argent qui est vraiment très blanc. Et donc à partir de là, on connaît déjà dans quoi la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été faite. Et
Donc on sait que la sunna, c'est de porter une bague en argent. Maintenant, qu'en est-il concernant les autres minerais qui servent à faire des bagues? Donc on a plusieurs choses à dire. Déjà, il y a la bague en or, mais ça, on va le garder pour plus tard, inshallah ta'ala, vu qu'on va voir un hadith qui va en parler. Puis on a des bagues dans les minerais précieux, que ce soit, je sais pas moi, je sais pas si ça existe des bagues en diamant ou bien en perles ou bien en autre chose. Eh bien, il n'y a pas de texte qui l'interdit pour les hommes et encore moins pour les femmes. Donc la base, c'est que c'est permis. Puis on a les bagues faites dans des métaux qui ne sont pas précieux comme le fer, le cuivre ou encore le plomb. Eh bien, chez Al-Hanabila, c'est mubah pour les hommes, comme pour les femmes, bien entendu. Chez l'imam Malik, c'est makruh, si jamais la bague elle est en fer, en plomb ou en cuivre. Et chez l'ahnaf, carrément, c'est interdit. À la kulli, ça c'est pour le minerai qui va servir à faire la bague. ثم قال رحمه رضي الله عنه وكان فصه حبشيا. Donc الفص c'est la surface plate sur la bague qui sert à accueillir ce qui va être gravé dessus. On appelle ça en français un chaton. Ça servait justement à graver des choses qui vont servir de signature pour le sceau qui se trouvera sur l'enveloppe ou bien sur le parchemin qui servira de support à la lettre qu'on voudra envoyer. وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. Donc حَبَشِي, ça veut dire abyssin, et c'est-à-dire que c'était donc d'origine éthiopienne. C'est-à-dire que l'argent qui a servi à faire la bague, ou bien qui a servi à faire le fas, donc le chaton de la bague, venait d'Éthiopie. Et donc là, on peut dire plusieurs choses. Que premièrement, on a le droit d'avoir une bague, même s'il n'y a pas de chaton dessus qui va servir à sceller les courriers. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris pour une raison précise qu'on verra par la suite, inshallah ta'ala. Kadalika, on n'a pas d'indication ici concernant le poids de la bague. Et les savants divergent à ce sujet-là sur plusieurs avis, mais l'avis majoritaire, c'est que quel que soit le poids de la bague, eh bien, il sera permis de la porter, à condition que ça ne soit pas inhabituel. Donc, si les gens dans le pays dans lequel on vit, ils ont des grosses bagues, ça ne paraît pas bizarre d'avoir une grosse bague, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de mal. Si par contre, les gens ont l'habitude de porter des bagues assez simples, assez modestes, alors on ne va pas venir prendre une bague énorme d'un certain poids pour créer là pour se faire remarquer. Et les savants, ils ont donné des limites, notamment chez le Malikiya et chez l'Ahnaf aussi, qui sont venus dire que si la bague dépasse un certain poids, on n'a pas le droit de la porter, même si elle est en argent. Mais Shafi'i et Hanabila n'ont pas mis de limite à cela, si ce n'est l'Ada, ce qui est habituel à porter dans le pays dans lequel on vit. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. تقول الحديث 89. نعم. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية وفي كتاب ابن أبي وحشي. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris une bague en argent. Et les savants ont divergé sur le moment où le prophète a pris une bague en argent. Donc quand ici Ibn Omar dit que le prophète a pris une bague en argent, on comprend qu'il ne l'avait pas avant cela. Donc ce n'est pas une chose qui était ancienne chez le prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est quelque chose qui est venu à un moment. Et Abdullah ibn Omar, quand il emploie le verbe ittakhadha, ça veut dire que donc il l'a prise pour une raison précise à la base. Et cette raison-là, on va la voir après, inshallah ta'ala. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il a pris cette bague-là? Donc les savants divergent
sur deux avis. Il y en a qui disent c'est la sixième année de l'hégire, d'autres disent la septième année, d'autres disent à la fin, entre les deux, pardon, à la fin de la sixième année et au début de la septième année. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir deux dates différentes pour un seul événement? Eh bien, on va constater, à force de lire les hadiths en rapport avec cette information-là, qui est la bague du prophète, qu'il n'en avait pas qu'une seule. Il avait plusieurs bagues. Et c'est pour ça justement que Abdullah ibn Omar est fini en disant Fakana yartimu bihi wa la yalbasuhu. Donc il s'en servait pour sceller ses lettres. Et quand on parle de sceller une lettre, ça veut dire deux choses. Ça veut dire signer pour authentifier l'identité de l'expéditeur. Et la seconde, c'est pour justement fermer le courrier. Comme ça, celui qui le recevra le trouvera fermé et ainsi il sera sûr qu'il n'a pas été ouvert en cours de route et modifié. Parce qu'à l'époque, vous savez, ils prenaient de la cire, comme dans les anciens films qu'on a pu voir, ils prenaient de la cire de bougie, puis ils laissaient fondre un peu sur la partie qui allait servir à fermer le courrier et ainsi ils pouvaient sceller avec leur bague et apparaissaient. Donc, ce qui était gravé sur la bague, sur la cire qui avait fondu, justement. Donc, premièrement, il s'en sert. Donc là, on comprend que le prophète sallam, il a pris cette bague-là, l'ilhaja, pour un besoin. Un besoin précis qui consistait justement à signer et à sceller ses lettres. Wala yalbasuhu, il ne la portait pas. Donc là, ce qu'on va comprendre, qu'il ne la portait pas du tout, si ce n'est pour. Cette fonction précise qu'on vient de préciser, qu'on vient de citer, pardon, ou bien est-ce qu'il la portait quand il en avait besoin et l'enlevait lorsqu'il n'en avait plus besoin. Et en fait, on a beaucoup de textes qui indiquent ceci et cela, comme quoi le prophète, il portait cette bague apparemment constamment. Et en fait, comment on fait le lien entre ces textes-là? La parole de Abdullah ibn Omar et les autres textes qui nous disent que le prophète avait la bague régulièrement, c'est qu'il avait plusieurs bagues. Il avait plusieurs bagues, alayhi salatu wassalam. Donc une qui était sur laquelle était gravé son nom, afin justement de sceller ses courriers, et il ne la portait pas en dehors de ces occasions-là. Et une autre qu'il portait régulièrement, habituellement, pour que les gens le prennent comme modèle et comme exemple dans cela. Puis Abu Issa, qui est l'auteur du livre At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il finit en disant Abu Bishr, donc c'est un des rapporteurs du hadith, ismuhu Ja'far ibn Abi Wahshi. Donc Abu Bishr, c'est celui qui rapporte le hadith de Nafi', qui le rapporte d'Ibn Omar. Donc ici, Abu Issa, il nous précise quel est son nom, parce que c'est une kunya. Et des fois, dans les chaînes de transmission, on a des rapporteurs qui ne sont pas connus, si ce n'est par leur kunya. Et ce n'est pas un élément suffisant qui nous permettrait d'en savoir plus sur lui. Donc, les savants qui rapportent le hadith, ils nous donnent le nom entier de la personne en question pour qu'on puisse l'identifier et retourner aux informations le concernant. Son nom, c'est Ja'far ibn Abi Wahshi. Donc, il y a deux versions du livre, Wahshi et Wahshiya. Donc, moi, le livre que j'ai lu, c'est Wahshi, et celui que vous avez à l'écran, c'est Wahshiya. Et on l'appelle comme ainsi des deux façons. On passe au hadith 90. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Donc, autre hadith qui peut paraître similaire à celui qui précède, mais en fait, il contient un détail qui ne figurait pas dans le hadith précédent. Anas radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague d'argent, faite en argent. Donc son chaton, celui sur lequel on gravait le nom du propriétaire, faisait partie de la bague. Faisait partie de la bague. Ce n'était pas une pierre indépendante qui avait été rajoutée à la bague. C'était un tout. C'était un tout. Et pourquoi est-ce qu'il précise ici, Anas, que le chaton de la bague faisait partie de la bague? C'était un tout. Tout avait été fait dans la même matière. Parce qu'il avait une autre bague qui était composé de deux parties, de l'anneau
et du chaton qui était d'une matière différente. Donc c'est pour ça qu'il précise ici que la bague en question qui servait à sceller et à signer ces courriers était composée d'un seul matériau, comme on a vu dans le premier hadith, qui était d'origine éthiopienne. On passe au hadith 91. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Donc là ici, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous informe. Ah, j'ai pas vu que j'avais perdu l'autre moitié du hadith. On va y revenir tout de suite, inshallah. Donc ici, Anas radiallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire. Donc avant toute chose, qu'est-ce qu'on va dire ici? Premièrement, quand on dit que le prophète a voulu écrire, c'est-à-dire qu'il a voulu envoyer des courriers. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète, il ne savait ni lire ni écrire. Vous connaissez le hadith de Bad'ul Wahy, quand Jibril alayhi salam est venu lui transmettre la première révélation, il lui a dit Iqra, et il a répondu Ma ana biqari. Et on a aussi dans le hadith de l'Hudaybiya, quand il allait écrire avec, quand il allait signer avec Suhail ibn Amr, l'émissaire de Quraysh, et que Suhail ibn Amr a refusé que Ali écrive Bismillahir Rahmanir Rahim, le prophète lui a dit de l'effacer et Ali il a refusé. Alors le prophète il lui a dit montre-moi où tu l'as écrit que je puisse l'effacer moi-même, ce qui indique qu'il ne savait pas lire, et s'il savait écrire il aurait écrit lui-même alayhi as-salat wa salam. À la kulli hal, donc là c'est important de préciser que il a voulu écrire, donc il a ordonné à ce qu'on écrive pour lui. Et quand il a voulu écrire, qu'est-ce qu'il a voulu écrire? Il a voulu appeler les gens à l'islam. Ça, c'est arrivé après le pacte de l'Hudaybiya, justement, qui concluait une trêve entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 10 ans. Et le prophète en a profité pour, justement, appeler les grandes puissances voisines de la péninsule arabique à l'islam. Quand il dit Al-Ajam, c'est tout ce qui n'est pas arabe. Donc chez les Arabes, c'est simple. Il y a ce qui est arabe et il y a ce qui ne l'est pas. Donc ce qui est arabe, on l'appelle arabe, arabi, et ce qui ne l'est pas, on l'appelle ajami. Et l'ajam, chez les Arabes, c'est ce qui n'est pas clair. C'est ce qui est confus. Et ce qui est clair et distinct, ça vient de l'arabe. Ce qui est clair. Ce qui est détaillé. Et ce qui ne l'est pas, confus, ambigu, incompréhensible, on l'appellera ajam. Comme dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa qala alladhina kafaru non c'est pas ça wa law ja'alnahu qur'anan arabiyya wa law ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy. Donc et si nous en avions fait une lecture confuse, pas claire, ils auraient dit pourquoi il n'a pas été détaillé, ces versets n'ont pas été détaillés. Dans de nombreux versets, Allah Ta'ala il dit justement que le Coran a été précisé, détaillé, comme dans le début de Surat Hud, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit Alif Lam Ra, tilka kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ou dans le début de Fussilat, justement, Hamim, tanzilu min ar-Rahman ar-Rahim, kitabun fussilat ayatuhu, Qur'anan arabiyan li qawmi ya'lamun. Idan, l'ajam, c'est tout ce qui n'est pas arabe, et tout ce qui n'est pas arabe pour les Arabes, ben c'est pas clair, c'est pour ça qu'on les a appelés ainsi. C'est comme les animaux, on les appelle l'ajmawat, parce qu'ils ils ont des cris, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et quand il dit ici il al-ajam, bien entendu, il s'adresse au gouverneur de ces contrées, comme on va le voir par la suite, inshallah ta'ala, parce que en convertissant le gouverneur, automatiquement, on va arriver par convertir son peuple. D'ailleurs, dans le contenu de ces lettres-là, le prophète leur disait sallallahu alayhi wa sallam, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in abayt fa alayka ithmu man ma'ak.
Donc, convertis-toi à l'islam, tu seras ainsi sauvé et préservé. Si tu refuses, tu auras sur le dos le péché de tout ton peuple. Donc, on a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu envoyer des courriers aux grandes puissances voisines, notamment à leurs dirigeants et à leurs chefs, pour les inviter à l'islam, eh bien, on a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les ajams, qila lahu, إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. Que les non-arabes n'acceptent pas de kitab. Donc ici, kitab, on va le traduire en livre, en français par livre, mais c'est une erreur. Kitab, fi'al bima'na maf'oul, ay maktoub. Donc en arabe, tout ce qui va être écrit, on peut l'appeler kitab. On peut l'appeler kitab. C'est comme dans Surat An-Naml, justement, quand Allah nous raconte l'histoire de Sulayman, alayhi salam, lorsqu'il envoie une lettre à Belqais, Malikatu Saba, la reine de Saba. Lorsqu'elle le reçoit, elle réunit son conseil et elle leur dit قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Donc j'ai reçu une noble lettre. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Donc dans cette lettre-là, tout ce qu'il y avait, c'était deux phrases. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'alu alay wa atuni muslimin. Ne vous rebellez pas contre moi et venez à moi soumis. Et on l'a appelé kitab. Donc si je prends une feuille et que j'écris dessus, je peux appeler cette feuille-là kitab. Et ainsi, vous comprenez pourquoi dans le Coran, Allah il appelle le Coran kitab, alors qu'il n'était pas encore un kitab au moment où ces versets ont été révélés. C'était seulement des parchemins, des suhuf. Et pourtant, on l'a appelé kitab dans le sens de maktoub. Taïb. Donc, il n'acceptait que l'ajam n'accepte pas de lettres, sauf si elle est scellée. Illa wa alayhi khatam. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le courrier sera scellé, donc ça enlève le doute d'une falsification. Ça enlève le doute d'une falsification. On peut être sûr et certain que l'expéditeur est bien celui qui signe le courrier. Et d'ailleurs, on verra par la suite, justement, qu'il y avait des mesures à prendre pour éviter que le sceau de la bague soit connu pour ne pas qu'il soit recopié, pour ne pas qu'il soit donc refait. Et donc, qu'on utilise à mauvais escient. Aussi, si jamais on envoyait une lettre aux gens sans la sceller, eh bien ils le prenaient mal. Ils estimaient que si la lettre n'est pas protégée, c'est que son contenu n'est pas important ou que celui à qui on envoie la lettre n'est pas quelqu'un d'important jusqu'à ce qu'on prenne les mesures et les précautions pour protéger le contenu. Donc c'était quelque chose qui était mal pris. Alors on se fiait à l'habitude dans ces caractéristiques-là pour que le courrier envoyé soit accepté. Et ça nous prouve que ce n'était pas une habitude chez les Arabes d'envoyer des lettres. D'ailleurs, c'était un peuple qui était connu pour être analphabète, qui n'écrivait pas. Comme Allah a dit dans le Coran, « Walladhi ba'atha fil ummiyin » C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, ceux qui ne savent pas lire. Et il a aussi décrit le prophète comme étant illettré. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ. Croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui ne sait ni lire ni écrire. Et dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَقْرَأُ وَلَا نَحْسَنُ. Nous sommes une communauté illettrée, nous ne lisons pas et nous ne comptons pas. طيب. Et d'ailleurs, on va retirer de ce hadith-là, de ce passage-là, justement, qu'il est recommandé de s'adapter à la vie des gens qui vivent avec nous et de faire les choses qu'ils acceptent et qu'ils aiment et de délaisser les choses qu'ils n'aiment pas et qu'ils refusent. Bien entendu, tant que ces choses-là sont tolérées dans notre religion. Si jamais on délaissait une chose que eux ils détestent est tolérée dans notre religion, alors on le fera minbab at-ta'lif pour se rapprocher d'eux et pour pouvoir les attirer vers l'islam, pour ne pas qu'ils sentent qu'il y a une barrière entre nous et qui va les éloigner de nous. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, bashiru wa la tunafiru. Donc faites
Donnez envie de venir, aux gens de venir vers vous, annoncez des bonnes nouvelles pour qu'ils viennent vers vous et ne les faites pas fuir. ثم قال رضي عليه الصلاة والسلام ثم قال رضي الله عنه سأنس كي قال فاصطنع خاتما. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conçu, et donc ici quand on dit fastana'a, c'est-à-dire qu'il a ordonné bien entendu à quelqu'un de lui faire une bague avec un sceau. Et on a appris dans certains textes que celui qui s'est chargé de cette tâche-là se prénomme Ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu. C'est lui qui s'est chargé de faire cette fameuse bague dans laquelle se trouvait le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Anas s'est fini en disant fa ka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. C'est comme si je voyais sa blancheur, donc la blancheur de cette bague parce qu'elle était faite en argent, dans sa main. Et là quand ils disent fa ka'anni, c'est pour montrer à quel point Anas a la certitude de ce qu'il avance, au point où au moment où il en parle, eh ben il s'en souvient comme si il le voyait devant lui au moment où c'est arrivé. Et donc dans ce hadith-là, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le fait de s'adapter aux pratiques des gens dans ce qu'ils font tous de la même façon, il y a aussi la législation de correspondre par le biais de lettres. Et les savants et les musulmans ont continué sur cette tradition-là depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps. Et d'ailleurs, lorsque des gens importants parmi les musulmans s'envoyaient des lettres les uns les autres, eh bien, ils faisaient la même chose et ils scellaient aussi leur courrier, comme le prophète l'a fait avec les différents rois et gouverneurs des provinces voisines. Et le premier qui a instauré cette tradition qui est d'envoyer des lettres à longue distance, à des personnes qui sont loin, c'est Sulayman alayhi salam, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Allah l'a dit dans le Coran, dans Surat An-Naml, quand il a envoyé une lettre à Belqais, qui se trouvait au Yémen, pour justement lui ordonner de venir à Jérusalem, séance tenante, sans chercher à déclarer la guerre. On passe au hadith numéro 92. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. Donc dans le hadith numéro 92, déjà avant toute chose, il y a une petite latifa, donc anecdote particulière dans la chaîne de transmission. Donc Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, il rapporte le hadith de son père. D'accord ? Qala hadathani abi. Donc c'est-à-dire que son père c'est Abdullah al-Ansari. Abdullah al-Ansari, son père, il rapporte le hadith d'un homme qui s'appelle Thumama. Et Thumama, c'est l'oncle paternel de Abdullah al-Ansari, qui est le père de Muhammad ibn Abdillah. Et puis Thumama, il rapporte le hadith de Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, c'est le grand-père de Thumama. Donc c'est une chaîne de transmission presque familiale, presque entièrement familiale. Et on trouve beaucoup de chaînes de transmission de ce genre-là, des chaînes de transmission qui ne sortent pas du cadre familial, qui sont rapportées de père en fils sur plusieurs générations. Ce qui montre justement l'intérêt des musulmans des premières générations à partager la science en premier dans leur entourage. Donc Anas ibn Malik, une fois de plus, radiyallahu anhu, nous dit kana naqshu khatam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Là, on va parler de an-naqsh. An-naqsh, c'est la gravure. Donc on sait que la bague du prophète avait un chaton, donc une partie qui servait justement à être gravée et sur laquelle généralement on gravait le nom du propriétaire. Et c'est ce qui était gravé sur la bague du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et qu'est-ce qui était gravé sur le chaton de la bague du prophète sallallahu alayhi wassalam? Il y avait trois mots qui étaient gravés dessus. Donc il a dit Muhammad Satr. Satr, ça veut dire une ligne. Donc en fait, ça veut dire que chaque mot était sur une ligne.
et qu'ils n'étaient pas écrits les uns après les autres. Et il a commencé par Mohammed parce que c'était le premier des mots qui avait été gravé sur la bague et qui était en bas. Qui était en bas, donc le mot le plus bas était Mohammed, puis au-dessus Rasoul, qui était sur une ligne tout seul aussi, et enfin Allah, l'Afdhul Jalala, qui était donc aussi tout seul sur une ligne et sur le plus haut point de la bague. Et ce qu'il est important de préciser aussi, c'est que chacun de ces mots-là était gravé à l'envers. Comme ça, lorsque l'on va faire le saut sur le courrier, eh bien, ça va apparaître à l'endroit. Et c'est ce que tout le monde faisait depuis toujours, parce que si on écrit sur la bague à l'endroit Mohammed Rasulullah, eh bien, quand on va signer avec, ça apparaîtra à l'envers. À partir de là, les savants, ils ont déduit plusieurs jugements. Premièrement, un jugement qu'on va laisser pour plus tard, inshallah ta'ala, c'est est-ce que j'ai le droit, moi, de mettre sur ma bague Muhammadun Rasulullah de la même façon. Donc on verra plus précisément cette question plus tard, inshallah ta'ala. En dehors de cela, est-ce que j'ai le droit de graver quoi que ce soit sur ma bague? Donc les savants divergent en fonction de ce que je graverai dessus. Si je grave mon nom dessus, il n'y a pas de mal chez les savants de façon générale. Puis est-ce que j'ai le droit de graver un verset du Coran ou bien une formule qui sert à évoquer Allah Azza wa Jalla comme Subhanallah, Alhamdulillah, ila akhirihi? Donc la plupart des savants voient cela d'un mauvais œil et considèrent cela comme étant détestable. Et enfin, est-ce que j'ai le droit d'écrire dessus des sagesses, des vers de poésie? Il apparaît, wallahu ta'ala, qu'il n'y a pas de mal, wallahu ta'ala a'lam, qu'il n'y a pas de mal dans cela. Comme il a été rapporté que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, avait fait graver sur sa bague, kafa bil mauti wa aida. Yani, la mort suffit comme exhortation. Ou comme exhorteur, même si ça n'existe pas en français, mais à la kulli hal. Voilà. Ensuite, concernant le fait de graver sur le chaton de la bague un dessin, donc si le dessin il est moubah, il est toléré en lui-même, alors il n'y a pas de mal, mais si ça fait référence à quelque chose d'interdit, comme le fait de dessiner un être vivant, alors c'est interdit chez la plupart des savants. On passe au hadith numéro 93. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. Donc dans cette chaîne de transmission, vous avez remarqué qu'on a deux hommes qui ont le père, un père qui a le même nom. On a Nuh ibn Qais et Khalid ibn Qais, juste avant Qatada qui rapporte de Anas. Et en fait, ce sont deux frères de sang, donc les deux qui ont le même père, Khalid ibn Qais et Nuh ibn Qais. Et donc là, on a une chaîne de transmission dans laquelle on a deux frères qui se suivent, chose qui n'est pas très commune dans les chaînes de transmission, notamment quand ils ont à peu près le même âge. Donc Anas ibn Malik, une fois de plus, radiyallahu anhu, donc on remarque depuis tout à l'heure que majoritairement c'est lui qui rapporte les hadiths, sauf le deuxième qui était rapporté par Ibn Omar, mais jusqu'à présent ce n'est que Anas qui nous informe de la description de la bague du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une version différente du hadith précédent, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marqué kataba, il a écrit, et bien entendu, il faut comprendre ici, amara an yuktaba, il a ordonné à ce qu'on écrive à Kisra. Kisra, c'est l'empereur perse. En français, on dit Khosroès. Et tous les empereurs perses, les uns après les autres, on les appelle Kisra. Donc ça, c'est un laqab, un surnom, une appellation que l'on donne à chacun des gouverneurs de la Perse. Et ça, c'était quelque chose de très connu à l'époque. Chaque empereur, chaque gouverneur d'une grande partie, eh bien, il avait un nom qu'il reprenait de génération en génération. Et lorsque Kisra a reçu la lettre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on lui ait lu, il l'a déchirée. Et lorsque le prophète a appris cela, alayhi salatu wa sallam, il a invoqué Allah Ta'ala à ce qu'il déchire
le royaume de celui qui a déchiré les lettres de son messager. Et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, la Perse est devenue musulmane après une longue bataille, présidée par Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de guerres internes qui ont affaibli énormément le régime perse. Et il faut savoir que ce roi-là, Kisra, il a été tué par son propre fils. Pour montrer comment Allah Ta'ala, il a répondu à l'invocation de son prophète et de son messager, alayhi salatu wasalam. Puis on a Kisra, donc Kisra, qui est le fameux... on a Kaysar, juste après, qui est le fameux César, donc c'est l'empereur byzantin, Rome. Et il faut savoir que quand on dit Rome, on a tendance à traduire ça par les Romains, même si effectivement César, c'est le nom de l'empereur romain. Mais à l'époque, justement, l'empire Rome se répandait sur toute la Méditerranée, ce qui englobait la Turquie et même le Cham. Donc à l'époque, au Cham, la Palestine, la Syrie actuelle, était sous emprise byzantine et qui avait à leur tête l'empereur romain. Et cet empereur-là, il a failli se convertir à l'islam. On a le hadith dans le Bukhari d'après Abu Sufyan, radiallahu anhu, qui raconte justement une discussion qu'il y a eu entre lui et Kaysar. Et il a failli se convertir à l'islam, mais il a eu peur de la réaction de son peuple, alors il est resté sur sa religion. Puis Al-Najashi, c'est en français le Négus, c'est l'empereur de l'Abyssinie, qui s'appelait As-Hama, radiallahu anhu, qui s'est converti à l'islam par la suite, et qui est même mort, musulman, et lorsqu'il est mort, le prophète a ordonné aux gens de prier sur lui. Donc quand le prophète a voulu écrire à ces trois grande puissance, à ces trois grands empereurs, on lui dit qu'ils n'acceptent pas qu'on leur envoie une lettre si elle n'est pas scellée. Donc le prophète l'a confectionné, sara, c'est le fait de fabriquer des bijoux. Sa'ir, c'est le joaillier, si je ne me trompe pas en français. Le bijoutier, c'est celui qui vend les bijoux, et le joaillier, c'est celui qui fait les bijoux. Donc il a ordonné à ce qu'on lui fasse donc cette bague. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Ya'la ibn Umayya, celui qui l'a fait. Et quand ici on attribue l'action directement au prophète, alors que ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est dans le même sens que le roi a construit un palais. En fait, il a fait construire le palais, il a ordonné à ce qu'on construise le palais. De la même façon ici, on dira le prophète, il a confectionné cette bague-là, il a écrit, alors qu'il a ordonné à ce qu'on le fasse plutôt. Donc il a confectionné une bague halqatuhu fidda, dont l'anneau était en argent, wa nuqisha fihi, donc il a été gravé dans cette bague là Muhammadun Rasulullah. Et là ça nous fait comprendre comment lire ces trois mots qui sont écrits dans un certain ordre, Muhammad en bas, puis Rasul au milieu et enfin Allah au dessus. Et il a été dit que le prophète a demandé à ce que son nom soit en bas et que le nom d'Allah Ta'ala soit en haut, hein, par respect et vénération envers le nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui doit toujours être le plus haut possible. On passe au hadith suivant, le hadith 94. Qala rahimahullah Ta'ala, haddathana Ishaq ibn Mansour, qala حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Donc ici encore une fois Anas ibn Malik رضي الله عنه nous informe que le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il rentrait à ce qu'on appelle al-khala vient du verbe khala yakhlu qui veut dire s'isoler. Et al-khala, c'est un endroit où on est seul à la base. Al-mahal al-khali, al-makan al-khali. Et lorsqu'il se rendait donc dans cet endroit où il était seul, c'était pour y faire ses besoins. Donc l'endroit qui servait à ce qu'on y fasse ses besoins, on l'appelait al-khala. À savoir que les Arabes n'avaient pas de toilette, ce qu'on appelle le canif, dans leur maison. Hein, ils sortaient de chez eux et s'éloigner le plus possible, hein, pour qu'on ne les voit pas, par pudeur. Et le prophète en faisait autant. Et il, donc lorsqu'il se rendait dans un endroit
vide où il peut être à l'abri des regards pour y faire ses besoins, donc forcément pour se déshabiller, il retirait sa bague. Il retirait sa bague. Donc pourquoi est-ce qu'il retirait sa bague? Parce que justement, était gravé dessus le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, majoritairement, considèrent comme étant détestable le fait de rentrer aux toilettes, à l'endroit où on fait ses besoins, avec quelque chose où le nom d'Allah ta'ala est écrit. Ça, c'est l'avis donc très général chez les savants, comme quoi c'est détestable et ce n'est pas interdit. Par contre, c'est interdit de rentrer avec le mushaf, avec le Coran. Et pourquoi est-ce que c'est détestable? Parce que donc il ne convient pas à ce que le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala figure dans un endroit où les gens se déshabillent et où les gens font leurs besoins qui sont des impuretés. Sinon, en dehors de cela, s'il rentre avec autre chose, tant qu'il n'a pas le nom d'Allah ta'ala dedans, alors il n'y aura pas de mal, insha'Allah ta'ala. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 95. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. Donc ici, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous informe que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris une bague en argent. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et cette bague-là se trouvait dans sa main, فَكَانَ فِي يَدِهِ puis, dans la main, ثُمَّ فِي يَدِي ثُمَّ كَانَ فِي يَدِي أَبِي بَكْرٍ puis, donc, cette bague-là s'est retrouvée dans la main d'Abu Bakr. Donc, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiallahu anhu, a récupéré cette bague-là et l'a portée. Puis, après la mort d'Abu Bakr, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a récupéré cette bague-là et l'a portée aussi. Puis, après la mort d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, elle s'est retrouvée dans la main de Uthman. Et c'est Uthman le dernier qu'il a eu en sa possession. Qu'est-ce qui est arrivé à cette bague-là? Qala hatta waqa'a fi bi'ri aris. Jusqu'à ce que cette bague tomba dans le puits de Aris. Aris, qui est-ce? C'est le nom d'un agriculteur de confession juive qui vivait à Médine et à qui appartenait ce puits-là. Et en fait, Uthman radiallahu anhu s'est trouvé là-bas avec un autre compagnon qui s'appelle Mu'ayqib, on va le voir par la suite, inshallah ta'ala. Et qui, donc, il faisait ses ablutions, et il a laissé la bague à Mu'ayqib, et la bague est tombée dans le puits. Ils l'ont cherché de nombreuses fois, et ils ne l'ont jamais retrouvée. Pendant 3 jours consécutifs, ils ont cherché autour du puits, et dans le puits, et personne n'a jamais retrouvé cette bague-là. Mohammed, le messager d'Allah, alayhi as-salatu wassalam. De toute façon, ce hadith-là, on va le voir par la suite. Inch'Allah ta'ala, on va le revoir dans le chapitre prochain. Ta'ala. Et de ce hadith-là, on voit qu'il n'y a pas de mal à prendre la bague d'autrui après sa mort, lorsque justement on est à l'abri de toute confusion. Donc quand quelqu'un il meurt et qu'il ne va plus se servir de sa bague et que les gens savent qu'il est mort, alors il n'y a pas de mal à la reprendre et à l'utiliser. Par contre, si les gens ne savent pas qu'il est mort et qu'on s'en sert en se faisant passer pour son propriétaire, bien entendu cela sera interdit. Donc voilà pour... ça va faire 1 heure pile qu'on a commencé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continuera la semaine prochaine en demandant à Allah Azza wa Jal de nous permettre de connaître mieux son prophète et messager alayhi salatu wassalam et de pouvoir le suivre et l'imiter dans tout ce que l'on peut accomplir. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.